Récemment, nous avons fait une émission côté que nous avons présenté nous un concept qui relait Deep State. Et rapide vite, nous avons fait un petit rappel pour nous, pour les gens qui oublient, pour les gens qui partent dans l'émission. Deep State là, en politique internationale ou bien en politique étrangère, qui ça veut dire? C'est une conception qui permet de découvrir yon hiérarchie en parallèle, yon ti l'État en dans yon l'État central. L'État dans l'État. Donc, dans ce qui est pour avec Haïti, dans ce qui est pour avec tutelle Haïti par rapport avec États-Unis, nous prenons un bagage comme ça. Côté que actuellement là, toute décision politique, les grandes décisions que Haïti apprend, que l'autorité haïtienne apprend, yo prend par rapport avec concept ça qui relé Deep State là. Et nous pour aller plus loin, si gouvernement américain parallèle ça avec l'État central, administration Biden non, lui permet nous découvrir dans le moment assassinat Jovenel Moïse, yon gros combat, yon gros bataille, gros rapport de force, gros laisser frapper qui gagne là au niveau international. Retetan, m'pral ban nou tout détail yo, parce que faut qu'on connait réellement côté blocage enquête là, blocage dossier Jovenel Moïse, li sorti tout bon. Et même temps tout, nous pral comprendre que c'est à travers bataille ça, c'est à travers rapport de force ça, gon ti lueur d'espoir qui paraît. C'est pas ni FBI, c'est pas ni que FBI Marimoun, c'est pas ni que enquête là au niveau et États-Unis au prend Palacios, Rodolphe George, John Joel Joseph arrêté et Jamaïque, c'est pas réalité en ça, c'est pas vérité à ça. Moun sa yo nous ka considérer yo comme point iceberg là. Nous prenons comprendre rapport de force qui gagne au niveau international. Dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse, li pral mette tout ou ni, li pral permettre avilissement au paquet gros autorité. Ni Haïti, ni l'autre bord de l'eau, qui participe dans planifier, dans commandité, à exécuter complot pour assassiner président Jovenel Moïse. Tout bon vrai. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur plateforme Polan, TAC 509, tout haïtien connecté. M'a rappelé ou dans l'émission Mon Éditorial. C'est toujours un plaisir pour nous rencontrer, pour nous parler, pour nous débattre des points essentiels dans l'évolution du dossier Jovenel Moïse. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Désespoir de machination politique et les nôtres. Mon éditorial, vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paula pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous prenons la balle, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'on même voix. Dans l'émission aujourd'hui, la première exhortation, c'est que nous parler de manière très méthodique. Donc, si nous parler de manière très méthodique, faut qu'on mette à cela. Faut qu'on bombe toute attention, faut qu'on bombe tout focus sur net. Parce que, dossier Jovenel Moïse, d'habitude, ça nous compte dans les médias que c'est accusation, que c'est indexation, que c'est présumé, des présumés et suspects, des présumés complices, dans le cas des présomptions qui gagnent sous le premier ministre Ariel Henry, des personnalités politiques, des personnalités économiques en dedans pays, dossier assassinat Jovenel Moïse, il y a les pilons toujours. Et je dis en là, faut nous considérer fait. Au niveau national, en Haïti, là, nous avons une idée sur différents acteurs qui participaient dans le blocage dossier. Qu'il s'agit de Premier ministre Ariel Henry, qu'il s'agit de ministres, qu'il s'agit des hommes politiques, des acteurs économiques qui ont même impliqué de près, de très près, de loin ou bien de très loin dans le dossier pour tout Jovenel Moïse. Maintenant, faut que nous allions plus loin, faut que nous allions au niveau même international de façon pour nous rester dynamique. Vin présenter au fait yo, non dimension technique, vin présenter au fait yo, non dimension d'analyse profonde qui pral aide comprendre que oui,
il y a des complices haïtiens, oui, il y a des exécutants haïtiens, mais au-delà, derrière tout le monde, ça, derrière tout le marché pressé, ça, qui gagne pas bon côté autorité haïtienne au niveau de la justice, derrière tout le marché pressé, ça, qui gagne pas bon côté des acteurs politiques, aujourd'hui là, marché pressé, qui gagne pas bon côté des acteurs économiques de dans le pays, qui gagne non, cité dans le dossier Jovenel Moïse, bagaille là beaucoup plus que ça. Influence beaucoup plus que ça. Et réellement, je dis là, il y a des points extrêmement importants, il y a des points très sensibles, nous pral toucher ensemble, nous pral garder ensemble, parce que nous pas qu'à dire, n'a analyser, nous pas qu'à dire, n'a chercher vérité, nous pas qu'à dire, nous rentrer dans une démarche rhétorique pour présenter voilà, mais comment Jovenel Moïse mourit, mais fait yo, mais comment dit-il yo, mais auteur intellectuel yo, et puis pour nous pas rentrer en donnant un bagage là, pour ne pas chercher vraiment moun qui participe yo, vraiment moun qui commandite yo, vraiment moun qui se exécutant à distance. Nous pral comprendre. Gros petit tableau, je dis en larmes, vina avec l'émission, ça vraiment pile temps parce que moi-même, je veux public la comprendre, je veux nous comprendre. Et si nous pas comprendre dossier Jovenel Moïse, gros paquet l'autre bagage qui a privé sous nous là, nous pas comprendre. Et c'est ça que fait, nous prenons l'étape par étape, nous prenons par segment. Ah oui, ça son conseil, braqueur. Nous pas faire, nous pas faire bourrage de crâne. Nous pas faire bourrage de crâne, très méthodique. Nous prenons la présente au fait, étape par étape, pour même, pour qu'à comprendre. À travers tableau ça, que vous regardez là, dans le premier carré, nous voyons, corps groupe, dans tête. Nous avons une flèche qui descend sur le groupe qui marque diplomate de différents pays. Et nous avons l'autre flèche, tête en bas encore, qui écrit Deep State. Ça, c'est le concept que nous avons parlé dans le commencement de l'émission. Ça, c'est notre tableau rouge. Nous avons l'autre tableau à droite qui marque États-Unis. Nous avons l'autre flèche qui descend qui marque State Department, département d'État américain. Et puis, on a l'autre flèche en bas qui marque politique de représentation. Et nous avons une flèche dans le temps qui sortit dans le carré États-Unis pour aller vers un corps groupe. Et en bas, flèche ça, gagne un concept qui écrit politique d'ombre. Je vais l'expliquer nous. Étape par étape, je vais l'expliquer nous. Et nous allons comprendre. Dossier assassinat Jovenel Moïse, nous disons que li mette yon bataille au niveau international, au niveau même du département d'État américain, au niveau des différents représentants du corps groupe qui aujourd'hui là, yon a exercé, yon a fait influence en termes de rapport de force pour regarder comment yon a géré, comment yon a contenir dossier assassinat Jovenel Moïse, comment yon a conduit dossier à non intérêt en groupe. Comment yon ka conduit dossier à pour protéger yon groupe sans que vérité en li pa oblige éclater au grand jour, pour vérité en pas éclater au grand public. Ou pral comprendre. Corps groupe en Haïti, influence corps groupe li énorme. Et si nous considérons le concept deep state là qui en bas, nous pral voir corps groupe, nous pral voir au niveau national, corps groupe lui-même, c'est organe ça, c'est instance ça qui a exécuté plan qui gagne par bon côté gouvernement américain. Les grandes décisions, dans ça qui gagne pour avec politique en Haïti, les grandes décisions, dans ça qui gagne pour avec stabilité, les grandes décisions, dans ça qui gagne pour et avec même principe démocratique, aussi, et dans cause pour faire élection, qui l'élection doit faire, qui décret on doit prendre, qui arrête on doit prendre, qui est sous doit nommer. Donc, un ensemble de décisions, un ensemble d'actes administratifs qu'a prend dans le pays, corps groupe, li gen un regard sou li. Corps groupe, y a contrôlé ça qu'a fait là. Et qui dit corps groupe jodi an là? Ou gen la dan des diplomates de différents pays, ou gen la dan diplomates américains, ou gen la dan diplomates canadiens, ou gen la dan diplomates anglais, ou gen la dan différents représentations. Différentes représentations ça yo, n'a pas admettre que préséance qui domine, préséance dans corps groupe, c'est États-Unis li. Grande décision qui pour prendre, décision finale qui pour prendre au niveau du corps groupe là, yo prend à travers États-Unis.
Donc, dans le dossier Jovenel Moïse, pour là, nous allons retourner dans le dossier Jovenel Moïse. Dans le dossier Jovenel Moïse, comment on va l'expliquer, il a assassiné Jovenel Moïse dans le contexte, côté que, ou gagné ambassadrice américaine, non? Qui est extrêmement influent en Haïti, qui c'est porte-parole, qui c'est voix États-Unis en Haïti, qui c'est symbole liberté en Haïti, qui c'est symbole décision en Haïti, puisque moun sa yo c'est eux-mêmes qui ont la gestion même de l'administration haïtienne. Que d'accord, que pas d'accord, je dis en là, notion deep state là, au niveau de l'ambassade américaine, gagné un hiérarchie parallèle, gagné un paquet dirigeant de manière informelle qui là. Vous pouvez comprendre même parler d'un paquet dirigeant informel parce que est-ce que je dis en là, grande décision qui va déterminer l'avenir politique pays, est-ce que c'est ambassade États-Unis pour t'as supposé absorber? Est-ce que c'est à travers bouche des diplomates étrangers pour décision ça vous prend? Est-ce que c'est à travers un tweet que sous-secrétaire d'État américain a fait qui va déterminer l'avenir politique nous pour 5 pour 10 ans qu'à venir là? Non, il pas t'as supposé comme ça. Mais dans les faits, dans la pratique, c'est comme ça lié. Pour me retourner avec dossier assassinat Jovenel Moïse, une semaine avant assassinat Jovenel Moïse, ambassadrice Cizen, qui s'est fait avec Cizen? Cizen n'était parti aller en vacances. Il quitte Haïti, il quitte cette ambassade là. Ou pral dim que non contexte, côté que ambassade américaine en Haïti, ça a son forteresse. Ambassade américaine en Haïti, ça, bon, j'ai l'impression li 10 fois mieux protégé que palais national. Nous, qui gagne tout USGPN ça, qui gagne tout USP ça, qui gagne toute et sécurité ça qui déploie là-dedans. Jovenel Moïse, c'est un pion américain, parce que tout ça que vle Jovenel Moïse fait pour yon de son vivant, li te fait yon. Tout résultat, yon tap ton nan men Jovenel Moïse, à un certain niveau, yon te joigné. Ou pral dim que, depuis juin, bon groupe mercenaire colombien qui rentre en Haïti. Sous sol haïtien là, nan pays nou an la, gagne des informateurs. Gagné des monde qui a travaillé au niveau du gouvernement haïtien, mais c'est des agents américains, c'est des agents de renseignement américains qui là pour chercher information, qui là pour jouer une information dans moins petit détail lié à mettre au courant de ça qui a passé. Donc on prend dire de juin à juillet, à 7 juillet, bon groupe mercenaire colombien qui rentre en dedans le pays. Ou pral dire que l'ambassade américaine pas de gagner aucune information, pas de gagner aucun feedback de rentrer moun sa yo sous sol haïtien. Alors que le season besoin de les Jovenel pour passer l'autre, le season besoin de les Jovenel pour faire des demandes, pour faire des exigences, li fait, li joigne ni li relil. Ou pral dire yo pral assassiner Jovenel Moïse et pour pral dire c'est en absence même de l'autorité américaine en Haïti, c'est pas anodine. Le fait que l'ambassade américaine n'a pas de pays, pas de sous-sol, ça traduit au niveau même du corps groupe. Ça traduit au niveau du corps groupe une certaine division qui gagne. Bon, c'est comme ça, bon rupture, bon bagaille qui passait, côté que je dis en la responsabilité. Ya, responsabilité en moun qui t'a supposé prendre corps groupe là, qui t'a supposé qui contrôle corps groupe là, moun ça qui toujours prend décision finale au niveau du corps groupe là, yo assassiné Jovenel Moïse, li pat là. Donc s'il pat là, li pa konnen. Même Jacques tout moun c'est information pour yo pote bali, même Jacques tout moun c'est information l'obtenn. Donc s'il pas là, ou pas ka vinn poser, ou pas ka vinn poser question. Ou pas ka vinn mande le compte. Ou pral comprendre que concept ça qui crée au niveau international, li pral permet ou comprendre que jodi l'état ça qui existait au niveau de l'ambassade américaine, si gouvernement ça qui existait au niveau même de l'ambassade américaine, li gagne plus autorité, li gagne plus pouvoir sous enquête dossier Jovenel Moïse
que même Ariel Henry nous dit qu'a bloqué. Même Ariel Henry, bon, et pas nous dit non, les faits sont là, la réalité c'est là, évidence là, indice là, que même Ariel Henry, que même gouvernement de facto ça, qui a bloqué enquête sous dossier Jovenel Moïse. Pour qui ça? Parce que je dis, si l'ambassadrice américaine qui constitue tel corps groupe, il y a une tête de Jovenel Moïse, peut-être c'est le corps groupe qui a eu la donne, si tête ça, il n'y a pas là au moment des faits, il vient paraître inopportun pour poser la question. Il vient paraître et moment yo timing yo pas là pour venir poser la question dans dossier Jovenel Moïse. Ou pas qu'a venir poser une question alors que li pat là, le bagage la passé. Ou pas qu'a venir poser une question alors que yo touye Jovenel Moïse pèlerin, li même côté était aux États-Unis, qui soit pral demander. Comment le pral dou li te connait bien le pat connait. Là toujours dou li pat au courant. Maintenant, les faits sont là, faut qu'on cherche preuve, faut qu'on cherche des éléments qui pral dou que effectivement bon bagage qui t'est passé, corps groupé là-dedans, etc., etc., etc. Nous pour aller plus loin, nous j'aime te parler nous de un journaliste américain Ryan Grimm qui lui-même il t'a fait des révélations suite avec et non commission côté que Pamela White qui t'a participé et puis il t'est venu avec option de premier ministre dans ça qui gain pour avec et Jovenel Moïse. Et depuis là tout, sous scène internationale, là, t'es qu'à considérer Jovenel Moïse comme inexistant. T'es qu'à évincer, t'es qu'à shooter le dehors. Jovenel Moïse, c'est ton ballon dehors, donc, il pas existé pour monsieur Damzayo. Que t'es au niveau du corps groupe, que t'es au niveau de Mounsayo qui a ferraillé à travers un concept, de Mounsayo qui représente le concept deep state là en Haïti, Jovenel Moïse pas existé pour eux. Nous prenons le parti dans l'autre tableau, dans le bord bleu. Nous allons mettre les États-Unis dans la tête. Je dis à vous comprendre que les États-Unis et le corps groupe, malgré que au niveau du corps groupe, gagne diplomate américain, gagne représentation américaine là-dedans, il ne parle pas forcément États-Unis. Parce que États-Unis, li beaucoup plus large. Parler de États-Unis aujourd'hui, là, il y a différentes autres institutions qui chapeautent, il y a différentes autres institutions qui ont influence, il y a différentes autres institutions qui ont exercé rapport de force, qui ont exercé influence pour permettre à ce que si il y a des détails qui sont roches, il y a joué toutes quatre possibles pour chercher vérité. Et c'est là pour comprendre, et c'est là tout. Et c'est là tout, vraie bataille, là, il prend naissance. Quand groupe dit nous sommes groupe diplomate qui l'a dans diplomate qui l'a dans lieu des diplomates en fonction, amis diplomates, alliés diplomates, etc. Mais au niveau des États-Unis, c'est beaucoup plus important. Là, l'inan beaucoup plus et point beaucoup plus centré, bah beaucoup plus serré. Pour qui ça? Parce que au niveau des États-Unis, vous avez le département d'État américain. Ça c'est une ou bien Congrès américain. Ça sont l'autre. Tout le monde sa yo, yo a cherché des informations. Tout le monde sa yo, yo a monté des commissions. Il y a des exigences yo a fait. Et exigences sa yo, yo a gagné pour importance pour yo chercher la vérité. Yo a gagné pour importance, yo a gagné pour objectif, pour permettre à ce que moun sa yo, qui, que ce soit au niveau du corps groupe, que ce soit diplomate différents pays, yo, que ce soit chaque pays qui connaît à travers le corps groupe, là, yo gagne une influence, yo exercé sur Haïti, yo gagne des influences, ou bien, yo te planifié, yo te participé, yo te commandité, assassinat Jovenel Moïse. Tout le monde sait aujourd'hui, là, yo gagne des craintes. Yo gagne des craintes parce que leur dossier arrivé au niveau du département d'État américain, c'est pas que le dossier li ambassade américaine. Ça c'est nettement différent. Leur dossier côté que Congrès américain qui regarde sur lui, c'est pas que le dossier li au niveau du corps groupe ni au niveau de l'ambassade américaine encore. Ça veut dire dossier li prend plus dimension, li prend plus ampleur et risque pour que des têtes coupées. Risque pour que des gens livrent li beaucoup plus large. Je dis en là, en Haïti, Ariel Henry. Mais Ariel Henry, nous, là, Ariel Henry, son petit paille par rapport avec des séries de l'autre monde qui ont assassiné Jovenel Moïse. Ariel
Henri son petit point. Son petit point, son petit virgule. Dans planification, son petit virgule. Dans réalisation, son petit virgule dans l'exécution assassinat Jovenel Moïse. Qu'on y a pas le comprendre. États-Unis lui-même, gon division actuellement là. Au niveau du département d'État américain, ou vient comprendre, il y a Daniel Foote qui gagne des influences que la joue. Ou vient gagner, on l'autre bord, administration Biden dans lui-même, depuis au prendre un grain de soulier. Parce que, États-Unis, je dis là, yodou, c'est le symbole même de la démocratie, c'est le symbole même de l'équité, de la justice, etc., etc. Et puis, on trouve une situation côté que yon assassiné un président. Au niveau du corps groupe, yon certaine influence kap joué pour kembe sous pouvoir yon nan moun qui participe, yon nan moun qui gen présomption de complicité avec soi-disant principal auteur intellectuel. Parce que kou sa planifié là, n'ap admet avèm. Si n'ap schématisé l'en Haïti, ou ap jouen commanditaire vrai, ou ap jouen auteur intellectuel vrai, ou ap jouen exécutant vrai au niveau national. En Haïti, gen group moun pa yo, mais au niveau international, à l'échelle internationale, gen l'autre group moun. À l'échelle internationale, gen l'autre group moun qui planifié, qui commandité, qui mettait des exécutants à la disposition, pas qu'un nègre en Haïti, pour faire quoi marcher, pour réaliser complot pour tout le Jovenel Moïse. Et c'est là tout. Bataille là au niveau du département d'État américain, nous pourrons comprendre son bataille qui opposait DEA FBI, son bataille aujourd'hui là, qui opposait au niveau international des partis politiques, qui sous scène politique. Là, son bataille, on va dire que je dis là, on bagaille qui on complot d'envergure comme ça. On va dire que des personnalités politiques, que ce soit dans le camp républicain ou bien démocrate, qui c'est des alliés farouches, donc pas qu'être nègre dedans pays, hein? Qui c'est des alliés farouches de la démocratie même en Haïti, qui c'est des alliés farouches de l'autodétermination en Haïti, ou pral di moun sa yo, des séries de nèg qui planifient destruction Haïti, qui planifient appauvrissement Haïti, nous pral di que nèg sa yo pas au courant que Jovenel Moïse t'a pral assassiné, que nèg t'a pral tuer Jovenel Moïse, foutaise, tout nèg sa yo t'es au courant. Et c'est une des raisons pour aller que tactique là qui salde, leur a pris entre la cage Jovenel Moïse. Pour qui ça pose des questions, pour qui ça n'a pas dit FBI, FBI, FBI. Yo dou diye, diye, diye. Maintenant, faut nous aller plus loin, c'est ça que fait me dit nous, faut nous dynamique à travers analyse nous, faut nous dynamique à travers recherche nous, faut nous dynamique à travers information à recueillir pour nous monter base de données ça. Au niveau de la DIE, au niveau de deux agences, ça yo, et conflit qui existe en DIE et FBI, et même CIA, c'est des conflits de longue date. Ça yo, c'est trois agences, j'ai l'impression, yo dans le même pays, yo sur le même territoire, yo défendre le même intérêt, qui se protège la souveraineté pays, yo, mais c'est trois agences qui pas jamais vraiment collées serré. Yo vient assassiner Jovenel Moïse, Colombien yo. Colombien qui participe à l'assassinat de Jovenel Moïse, ils ont rentré ou tendé et microphone nan, James Solage Abdou, c'est lié, 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 lié. Posez-vous cette question qui groupe moun jodi an la au niveau international qui réellement proche lié. C'est la grande question. Qui groupe moun nan clan démocrate là qui actuellement là a de très bonnes relations avec agence américaine ça qui s'est dit. Nous bon ba nous ça comme travail, al faire recherche n'a vinn dim. Et si ça ne dim nan c'est pas vérité, moi même m'a ba nous vérité ya. Au niveau international jodi an là, gè des clans qui lié avec ces IRH, des clans qui lié avec PHTK, des clans qui lié avec groupe bandit légal en Haïti, des clans qui liés avec appauvrissement Haïti dans question ressources naturelles nous yo, qui ont de très bonnes relations
avec agence américaine dit ça et c'est une des raisons nous pral utiliser agence là comme cheval de Troie pour rentrer la cage Jovenel Moïse bien que démarche pas bon côté sécurité t'a protéger Jovenel Moïse toute bagarre était gétant fin setup pour te joindre barrière ouverte toute bagarre était gétant fin régler pour nèg était gétant rentrer mais c'est pas sans raison qui fait yo utilisé non code ça c'est en forme d'acceptation ça veut dire que moun ka kore di yo donc yo bon laisser passer yo bon feu vert donc la bataille ça qui ouvert la guerre ouverte ça qui déclaré que ce soit à travers agence que ce soit avec moun sa yo qui influent des agence sa yo pral permettre que ce soit au niveau du département d'État, dans le pire sommet, que ce soit au niveau même du Congrès américain, fort bon vérité qui baille. Fort pose là, fort qu'il arrive à coller morceau et tête qui pour couper ou à couper. Jodi an là, si le fort Ariel Henry tombe avec tout le monde qui t'est passé l'autre, tout le monde qui t'a géré et qui t'a fait intermédiaire, qui t'a joué le médiateur au niveau national. Tout le monde sait si le faut pour tomber, il a tombé le moment arrivé. Parce que, moi, je dis nous, et je dis nous très clairement, Colombien qui n'a pas pénitencier national, Haïtien-Américain qui n'a pas pénitencier national, Haïtien-Policien-Haïtien qui n'a pas pénitencier national, prend Sola et prend Palacios qui est aux États-Unis, prend Rodolphe Jean qui est aux États-Unis. Ça, c'est des acteurs, c'est des petits acteurs. Nous ne pouvons pas minimiser. Yo. Nous pas minimiser parce que yo gen complicité yo. Nous pas minimiser parce que yo gen rôle pa yo jouer. Mais assassinat Jovenel Moïse son assassinat qui beaucoup plus large que ça. Son assassinat qui gagne différents groupes d'acteurs nationaux et internationaux qui participent là-dedans. Mais assassinat Jovenel Moïse en tout, li vin changer paradigme au niveau international. Qui est-ce au niveau international, bien entendu, au niveau de l'administration Biden, nan, qui prend autant influent, qui t'a abouti avec dossier Jovenel Moïse comme un dossier classé top secret. Qui est-ce? Et c'est là tout, oui, c'est là, nous obligés de suivre la de très près. Pour nous garder étape par étape influent chaque grain de monde dans le dossier Jovenel Moïse qui est sous scène internationale. Parce que moun nous pral qui pral faire influence, qui pral jouer influence pour cacher dossier, pour cacher vérité, c'est moun sa yo qui gagne clan y a protégé. C'est moun sa yo qui gagne clan, yo vle clan qui participe dans complot, yo vle cacher, yo vle sécuriser. Et c'est là pour comprendre. Il y a l'impression, nous avons l'impression, nous avons sentiment que Daniel Foot, lui-même, lui, puis Jovenelis, que Jovenelis, qui en Haïti, qui a exigé, qui a cherché, qui a réclamé justice pour Jovenel Moïse, c'est un fait. Parce que Daniel Foot, au niveau même du département d'État américain, l'a cherché information, lui, il y a une manœuvre, l'a fait, et nous, chaque matin, lui, il y a un tweet pour le faire. Pour secouer, pour saccager l'esprit Ariel, parce que le connaît Ariel Henry, au niveau national, c'est un pion. Mais Ariel Henry complote tous les Jovenel Moïse, dépasse largement Ariel Henry. Quand nous sommes dans le département d'État américain avec nous, là, nous tombons dans la politique de représentation. Depuis notre fait politique, même au niveau national, si nous regardons, nous pouvons nous gagner dans le Parlement des députés, des sénateurs qui représentent nous. Et même au niveau de la diplomatie, nous gagnons des représentants. Haïti gagne des diplomates, nous gagnons des consuls dans notre pays, nous accrédités, nous avons des accréditations pour représenter l'État haïtien. C'est le même. États-Unis lui-même, ils ont une politique de représentation la fait. Politique de représentation, li fait à travers corps groupe jodian qui gagne ambassadeur américain là-dedans, qui gagne diplomate américain là-dedans, li fait à travers BNU tout en Haïti. États-Unis balance, non? États-Unis tellement gagne des institutions, des organes de représentation en Haïti, et ben il était chargé.
Il y a un groupe, il y a un BINU, et même à travers des agences américaines ou bien interaméricaines, comme tant que NUD, et tant que nous avons NUD, nous avons UNESCO, nous avons PAM, nous avons un paquet, agences interaméricaines, c'est toujours influence États-Unis. Prestation, c'est toujours États-Unis qui gagne. Décision suprême, non, nous sommes en bas là. Dernier recours, c'est toujours États-Unis qui gagne. États-Unis, ça qui gagne pour avec politique internationale, politique étrangère, le mot du droit, c'est lui-même qui gagne. Et nous sommes là. Hier soir, m'a parlé ça avec, avec un ami. Nous avons fait un parallèle par rapport avec l'influence américaine. Même à travers des séries de pays qui relaient tête sur grand pays, nous voyons que dictat, c'est dictat américain. C'est États-Unis qui a passé l'autre. C'est États-Unis qui a tiré ficelle. Tant qu'on a une crise qui opposait, nous avons une crise internationale qui opposait Ukraine avec Russie. Ou pral trouvons une situation côté que, vu la Russie avec États-Unis, ils n'ont pas gagné de très bonnes relations. C'est le langage dans yo, ils ont toujours mordé. Ou vin joindre aux États-Unis qui utilisaient Emmanuel Macron comme médiateur. Yo utilisé Macron comme médiateur. Donc, t'as pas dit, ah, bon, qui c'est Macron à le fourrer quoi dans le bagage, alors que, garde juste côté lié en Europe, etc., etc. Vu que pour parler, on pas qu'à faire directement entre Poutine avec Biden, Macron a joué le rôle médiateur pour qui ça? Pour le cas baisser tension. Baisser tension, si t'as parlé, ok, Macron fait de manière visible, tout le monde, Macron fait. Macron fait parce que je dis là, il y a une nécessité pour gagner, on entend qui fait, bon, pour parler qui fait, parce que pas qu'à gagner des soldats qui ont déployé dans la frontière Ukraine, pas qu'à gagner des matériels militaires, chars d'assaut, et porte-missiles, etc., qui ont déployé. Qui pral mette dans, qui pral lever un danger dans toute région, qui pral lever un danger au niveau même, et, de la politique étrangère. Donc, faut qu'on calme qui baille. Qu'on y a des gens qui disent que Macron lui-même, c'est jouet petit sous sous l'alfè, c'est jouet petit moun li l'alfè, parce qu'on parle à président au pays, et puis, pour États-Unis dépêche là, pour la, régler causel, pour le cas régler causel, li dépêche là, il faut quitter pays, pour même pour faire intermédiaire. Mais, bagaille, la crise, ça, il dépassait la France, il dépassait Emmanuel Macron. Parce que, il y a plusieurs pays, bon, bref, et puis vite, c'est pour moi juste un petit parallèle. Il y a plusieurs pays qui constituent autant, je dis là, qui, eux même, ils comprennent très mal l'influence américaine, non, par rapport avec l'Ukraine. Ils comprennent très mal que les États-Unis ont fourré bouche aussi profonde que ça, dans une crise qui opposait l'Ukraine avec la Russie, pendant que, ils ont dit, non, autant tout le monde libre pour faire ça, ils tout le monde libre pour chercher à allier. Pendant que tout le monde libre pour chercher à allier, mais, des séries de pays, je dis, ils ont considéré comme petit pays, ils ont refusé que les gens cherchent des partenaires militaires, pour chercher des partenaires économiques, que les États-Unis pas gagné alliance avec eux, que les États-Unis pas gagné contrôle. Yo. Tant qu'on Haïti, tant qu'on Moïse Jean-Charles lui-même, nous, Moïse Jean-Charles, lui, ça est là, lui, en Russie, lui, au Venezuela, Moïse Jean-Charles, lui, Cuba, etc., lui, gagner des idées beaucoup plus larges. Qui peuvent jamais faire États-Unis plaisir. Ces mêmes gens, là, nous considérons Mali, je dis, hein, Mali, qui sont pays en Afrique là qui sous tutelle française, qui sont pays en Afrique côté que et européens ont déplimé là, a prend richesse, a puisé sous sol, etc. La France comprend très mal que après coup d'état fin fait en Mali, hein, après coup d'état fin bay au Mali, la France comprend très mal que Mali voulait mettre campé des relations militaires avec la Russie. Donc, Poutine lui-même tellement banan blague, Poutine lui-même li répond Macron et bref, bref, bref. N'a pas retourné dans le dossier États-Unis avec, avec Haïti. Donc, nous, nos situations, côté que l'influence américaine est tellement présente en Haïti, yon menon politique donc par rapport avec corps groupe. Ou pral wè ensemble de décisions qui prend, le Jovenel Moïse était là, le Jovenel Moïse était pour un pacte, sorti un paquet de décrets.
décret sur qui ça a considéré comme infraction, des séries d'infractions qui étaient délit, ils ont vienne criminaliser, ils ont vienne mettre leur sortir dans délit, ils ont vienne mettre le crime, etc., etc. Donc là ça nous t'es ouais. Ni à travers Binu, ni à travers encore groupe, yo te sorti note, yo te sorti communiqué pour yo dire Jovenel Moïse sorti des décrets liberticides qui violent liberté moun, qui violent droit moun, et c'était vrai oui. Et yo te même allé plus loin pour yo dire que et faut que Jovenel Moïse rentre et décret ça yo. Et c'est même c'est dans même occasion ça, on pas oublier ça, c'est dans même occasion ça Jovenel Moïse dit t'es créé à nous. C'est dans même occasion ça a été créé à ni le petit monsieur corps groupe petit monsieur dame corps groupe petit monsieur dame binu yo la lime dans tête binu il te dit faut décret qui crée à ni faut décret ça faut qu'il rentre décret ça nous pas besoin à ni en Haïti etc. Nous ca nous avec PNH avec ministère de l'intérieur nous gagne des agents de renseignement nous ca fait ça yo t'ai passé l'ordre pour Jovenel Moïse pour le rentrer décret Jovenel Moïse lui même il était campé en face lui pas de faire jusqu'à ce que tout le Jovenel Moïse n'ont pas réutilité à nous. C'est vrai, on était créé sur le papier, mais il n'est pas opérationnel. Donc, vous pouvez comprendre, politique d'homme ça, concept ça, que États-Unis a perpétué depuis bien longtemps, depuis le si qu'on m'a boumé en Bérégène dans ça qui vient pour avec démocratie en Haïti. Depuis là nous prend liberté, nous prend indépendance, nous sorti en bas esclavage, en bas colonie française yo. Nous face avec aux politiques d'ombre. Toujours il y a des agences américaines qui devant, toujours il y a des intermédiaires américains qui devant, toujours il y a des séries de groupes moun qui a exécuté politique américaine non. Il y a toujours devant comme quoi c'est eux qui prend des décisions et wow. Ou état-major, chef administration, pas qu'on connaît rien, c'est qu'on prend des décisions, c'est des décisions que des diplomates, secrétaires d'État prennent, etc., etc., mais qui pas rien pour être avec l'administration centrale. Non, c'est pas vrai. C'est ça, nous, les politiques d'homme. Et même, je me dis, nous, là, des séries de décrets, Jovenel Moïse, te prend la ligne, madame la ligne, à un certain temps, te demandé pour Jovenel Moïse retirer. Là, et comme si, ouais, c'est Binu qui a pas agi. Ouais, c'est la ligne qui a pas agi. Même aujourd'hui là nous dit que corps groupe Kembe Ariel Henry sous pouvoir corps groupe a protégé Ariel Henry qui dit corps groupe a protégé Ariel Henry qui dit Ariel Henry fait blocage c'est principal blocage et dossier Jovenel Moïse au niveau national c'est dit de même c'est dit que même corps groupe ça lui a protégé c'est dit de même que même corps groupe ça qui a protégé Ariel Henry, et c'est des décisions autonomes, c'est des décisions personnelles que vous prenez. C'est pas vrai, c'est faux, un chiffon, c'est loin d'être la vérité. Des décisions que corps groupe prend, corps groupe lui-même qui s'en là pour le faire, il est là pour exécuter politique étrangère américaine en Haïti à travers des décisions. Donc, on y a une décision qu'a prend, vu que décision qui prend li contestable, vu que décision qui prend li pas reflété réalité, li pas reflété vraisemblance, et au niveau national, au niveau international, tout le monde a une idée, tout le monde voit que dossier Jovenel Moïse a dépassé largement un groupe nègre en Haïti, il dépassé largement un groupe politicien, il dépassé largement un groupe nègre qui a l'argent, c'est vrai en Haïti, qui a toujours planifié pour tout le Jovenel Moïse. Décision tout le Jovenel Moïse de manière internationale, on a besoin de grands journalistes, de grands enquêteurs étrangers qui ont participé, qui ont planifié, qui ont cherché des informations. Ils ont prouvé à tout le monde que l'assassinat Jovenel Moïse, que au niveau national, que au niveau international, il y a toujours trois groupes qui participent là-dedans, qui impliquent là-dedans. Donc c'est normal aujourd'hui, c'est normal aujourd'hui pour les États-Unis à travers le département d'État américain, ils ont mis tête dehors. Puisque ils ont mis tête dehors, il faut qu'ils aient tête coupée. C'est pas seulement tête Palacios, c'est pas seulement tête Rodolphe Jean, c'est pas seulement tête Jean-Joël Joseph. Badjo Félix, quand même, il faut qu'ils prennent, il faut qu'ils rejoignent, ils ne vont pas mourir. Elle bien vivant toujours. Donc tout nèg sa yo au niveau national c'est des pions yo ye. Les vrais pions, les vrais commanditaires, les vrais têtes pensantes yo au niveau international. Et j'aime dire nous un gros conflit ça, gros bataille ça qui gagne monsieur dame sa yo, c'est lui même qui permet que la vérité en éclate. Et à travers dernier concept ça real politique. En fait, faut qu'on pose cette question pour qu'on ait qui ça qui real politique là. Parce que là nous nous contexte assassinat Jovenel Moïse encore, li vin mette sous table des mots techniques, des thèmes techniques.
Parce que au niveau international, assassinat, soit assassinat qui a une portée transnationale, soit assassinat qui transcende, qui allait au-delà même de Haïti, différents pays, différents acteurs. Donc, faut que nous conscients que politique étrangère, là, il participe tout. Il participe. Donc, faut que nous soyons à l'aise avec la thématique. On a parlé de real politique. Real politique, là, qui ça le fait? Li joue sous faiblesse différents acteurs. Li joue sous faiblesse différents acteurs. Parce que là, on a un contexte de rapport de force. Il y a toujours d'où dans la politique, pas des amis, c'est seulement intérêt. Qui soit kabaye, qui s'en kajouen de ou. Donc, n'exagère que les États-Unis, de manière directe, que les États-Unis, à travers corps groupe, à travers BINU, jodi an la sous scène politique la kay nou ou pra joine des alliances qui fait avec qui est avec des nèg qui tap bataille en face Jovenel Moïse, des nèg qui tap bataille contre Jovenel Moïse. C'est ça qui relo yo font aménagement, yo aménager ennemi contre même, yo mette moralité, principe moral de côté, yo mette valeur morale de côté, yo aménager, yo rencontrer, yo réunir, yo faire des concessions juste en façon pour yo ka atteindre objectif yo. Et qui sa objectif lanté, c'était liquider Jovenel Moïse, c'était éliminer Jovenel Moïse, c'était remplacer Jovenel Moïse par l'option de premier ministre. Est-ce que jodi an option premier ministre n'est pas véritable? Noël. Est-ce que Ariel Henry pas de facto? Noël. Est-ce que Ariel Henry pas tête et pas dans tête pouvoir? Pas sous tête gouvernement, la brache la coupe. Oui, nous, ouais, c'est un fait. Et moi-même, je ne sais pas si je suis d'accord avec nous. Je dis là, oui, il faut qu'Ariel Henry, il faut qu'on décision qui prend avec Ariel Henry. Depuis le Jovenel Moïse te mette Ariel Henry, Jovenel Moïse assassiné 7 juillet, Ariel Henry, constitution te reconnaît 120 jours passé, Ariel Henry illégal. Illégalité Ariel Henry, elle va gagner pour le avec Jovenel Moïse fait mandat présidentiel 7 février. Non. Illégalité Ariel Henry, li de manière constitutionnelle 120 jours fini, Ariel Henry doit laver mel. Et qui pise aujourd'hui là, Ariel Henry, non absité dans tout le président, ou pas supposé à l'aise comme ça. Nous pas supposé tolérer Ariel Henry à l'aise qu'on blaise en dedans pays encore ça. Nous pas supposé tolérer Ariel Henry li à l'aise confortable pour la passer nous dans tintin, pour la faire nous faire macaque pendant que yo connaît réellement côté complot pour assassiner Jovenel Moïse soti. Yo connaît parfaitement bien tout groupe moun tant au niveau national qu'international qui commandité qui planifie assassinat Jovenel Moïse. Et hier on t'ai posé question. Quelles ont été les garanties au niveau international que Ariel Henry gagne, je dis là, qui fait le confortable? Qui ça Ariel Henry baille en échange pour protéger, pour garantir liberté? Je dis là, nous fait parallèle entre corps groupe et États-Unis et administration Biden dans son ensemble. C'est sûr que vous apprenez pile bagaille, nouveau concept, technique là. Nous devons comprendre au niveau international qui est réellement qui participe dans bloquer enquête sur assassinat Jovenel Moïse. Dans intérêt qui est, dans intérêt qui go on. N'a continuer avec res information pour vous. Demain là, n'a venir avec nouvelle information dans ça qui gagne pour au niveau national. Au niveau national, gagner différents groupes cap bataille. Que ce soit PNH au niveau de la police nationale d'Haïti, que ce soit au niveau même du gouvernement haïtien. Ah oui, pas comprendre aujourd'hui là gouvernement haïtien tout le monde d'accord avec l'effet de Ariel Henry. Non. Nous praler, n'a pas tout détail, n'a pas toute information parce que faut qu'on connaît dossier Jovenel Moïse dépassé ça nous est là, il est beaucoup plus large que ça nous est là, il comporte international, il comporte étranger donc il faut que nous aidons à comprendre. Et pour y arriver, vous obligez là avec nous, vous obligez toujours présent pour ne pas perdre l'épisode, pour ne pas perdre chaque série qui a sorti, pour qu'on ait détails, pour qu'on ait information. Et au final, pour le bralmar et négatif, pour te déjà connaît, pour te déjà au courant de toute information. Hey!
aucun problème, bang. Bagay la piti. Rete la pali. Zers of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour l'an même. Ça pourra le permettre de rallonger bébé. Bal longueur vle, épaisseur vle, pour moun vle. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon yam. Et ou même qu'a fait revenir. Ah, madame n'a pas vlo nan kay la. Kout ki lot fait pou pou. Ou fait bec à terre? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gebon, yon traitement 100% naturel pendant 90 jours, tout bec à terre fini, zafo réglé, nan bon ti mamite. Tout garçon ka utilisé entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin peur. Produit 100% naturel, yon testé et approuvé. Relé nan 514-886-9776 ou bien nan 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur le website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'a bien informé avec Yannick. Mon éditorial. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.